mon sautoir dans le camado. Le camado est à 200-210 degrés. Je vais faire revenir en premier mes lardons et mes champignons que je retirerai. Voilà, nos petits champignons et nos petits lardons sont cuits. On va les retirer et on va faire revenir la viande. On va mettre un tout petit peu de graisse de canard. Voilà, donc le camado est à 200 degrés. On va mettre nos tranches de jarret de bœuf. Voilà, j'ai tout ouvert. Ne pas hésiter à piquer les nerfs autour. Voilà, bien doré. Alors, je ne vais pas singer parce que je vais utiliser du fond de veau lié et donc ma liaison se fera avec le fond de veau. Donc, j'ajoute la garniture aromatique, du céleri branche, des oignons, des carottes. Voilà, je vais mettre une feuille de laurier, de l'ail, du thym. Et je vais mettre la valeur. D'une bouteille de vin rouge. Je peux vous dire que ça sent bon le vin rouge. Là, on est parti pour au moins 2h30 de cuisson minimum. Le jarret étant une viande qui est très ferme et qui demande une cuisson très longue. Donc là, je vais rajouter un petit peu de fond de veau que je recompléterai au fur et à mesure. Je ne mets pas tout. Et je vais mettre mes petits champignons, mes lardons. Donc ça, ça va bien parfumer la sauce. Moi, je préfère les mettre au début de la cuisson parce que comme ça, ça parfume la sauce et toutes les saveurs se mélangent bien.
ne pas oublier de saler. Modérément, mais il faut saler. Voilà. On va laisser mitonner tout doucement. Voilà, ça cuit tout doucement. On va laisser mijoter encore au moins une petite heure. Voilà, donc on vérifie la cuisson de notre jarret. La viande doit être bien souple. J'ai rectifié la liaison de la sauce avec un petit peu de maïzena. Et là, donc, je vais pouvoir dresser pour pouvoir déguster. Pour conclure, j'ai beaucoup aimé réaliser cette recette et la partager avec vous. J'ai choisi du jarret parce que c'est une viande qui est très riche en collagène et qui, après une bonne cuisson, sera moelleuse et très agréable en bouche. La sauce était très équilibrée, très peu acide. Les petites touches de vin vont apporter du peps et la garniture aromatique, les aromates, les épices, les herbes vont donner bien toute la rondeur. Le kamado est un outil de cuisson assez extraordinaire. Vous permet de fumer, griller, braiser, rôtir, même cuire des pizzas. Donc franchement, c'est un outil polyvalent qui est très agréable à utiliser. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner à Chef Ounier TV si vous ne l'êtes pas, d'acheter mon livre dès qu'il paraîtra, et à bientôt.